Pour que des étudiants puissent utiliser l'outil Inscription en groupe, il faut tout d'abord créer les groupes. Dans le menu de gauche, vous cliquez sur Groupe. Au-dessus, vous cliquez sur Créer un ou plusieurs groupes. Pour une centaine d'étudiants, je vais créer 25 groupes. Et je souhaite qu'il y ait maximum 4, 5 ou 6 membres par groupe. Vous cliquez sur OK pour créer les groupes. Ensuite, il faut définir les propriétés des groupes. Ici, les étudiants sont autorisés à s'inscrire eux-mêmes dans les groupes. Vous pourriez remplir vous-même les groupes. Ici, un utilisateur peut inscrire dans combien de groupes différents? Privé ou public, privé, c'est-à-dire c'est limité aux membres de votre cours. Et puis, ici, quels sont les outils qui seront disponibles? Pour que les étudiants puissent utiliser l'outil inscription, vous devez cocher l'outil inscription. Vous cliquez sur OK pour définir les propriétés du groupe. Ensuite, vos étudiants devront se rendre dans leur groupe. Ils retrouveront l'outil inscription et pourront l'utiliser pour s'inscrire aux sessions. Ici, évidemment, il faut créer une session pour que les étudiants puissent s'inscrire à votre examen.